こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 25 décembre, vers 7h15 du matin, la police de Saitama, au nord de Tokyo, recevait plusieurs appels simultanés de voisins qui étaient en train d'assister à une scène des plus terrifiantes. En effet, un homme d'une quarantaine d'années hurlait dans le jardin d'un de leurs voisins et poursuivait trois personnes avec un marteau, leur en donnant des coups répétés tout en les frappant du pied. Arrivés sur place, la police et les secours trouvèrent William Ross Bishop, un citoyen américain de 69 ans, sa femme de 68 ans, Izumi, et leur fille de 34 ans étendue dans le jardin et baignant dans une mare de sang, mort. La scène de crime sécurisée, un avis de recherche fut émis pour tenter de retrouver le suspect numéro 1 dans ce massacre et les voisins purent fournir une description précise, appuyée par les caméras de vidéoprotection du quartier. Vêtu de noir, le suspect qui venait d'être identifié grâce à la reconnaissance faciale était un homme de 40 ans, Saito Jun, résident de Hanno, toujours dans la préfecture de Saitama et déjà connu des services de police. Le père assassiné, William Bishop, était un citoyen américain venu étudier au Japon dans les années 80 et resté par amour pour la culture japonaise et pour sa femme Izumi, rencontrée pendant la fin de ses études à l'université de Temple. Il était anthropologue et vivait de ses cours à la faculté et de ses livres sur la culture japonaise. Qualifié d'homme simple, gentil et sans histoire par ses voisins, lui et sa famille étaient très appréciés par les gens du quartier qui s'amusaient de son accent étranger très prononcé, tout en respectant l'homme qu'il était. Quant au suspect, lui, ses liens avec ses victimes n'ont toujours pas été établis et sa motivation encore moins. Ce que l'on sait, c'est qu'ils s'en étaient déjà pris à la famille Bishop entre 2018 et aujourd'hui en dégradant leur propriété à plusieurs reprises et en s'attaquant à leur voiture il y a de cela quelques semaines. Des signalements à la police et une plainte avaient abouti sur un non-lieu et la famille avait exprimé sa crainte à la police concernant leur sécurité. Saito Jun, le suspect, vivait seul et voulait devenir réalisateur, chose qu'il avait en partie réussi à faire en sortant son premier film 15 ans auparavant, The Gift, l'histoire d'un homme atteint du VIH mais qui n'avait pas trouvé son public et lui avait fermé les portes des maisons de production. Même s'il apparaît que les deux hommes se connaissaient de loin, la nature de leur relation est encore inconnue des enquêteurs. Le meurtrier est décrit comme un homme calme, posé, cérébral et amical, bien que dépressif. La violence des coups qui ont tué la famille Bishop atteste d'un acharnement qui confère à la haine, mais pour l'instant, Saito, placé en garde à vue depuis une dizaine de jours, n'a toujours pas livré ses secrets. L'annonce de ce triple meurtre le matin de Noël a choqué le pays et plus particulièrement la communauté américaine, la plus importante du pays. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une précédente édition, un homme de 43 ans détenu en garde à vue dans un commissariat de Okazaki, préfecture d'Haïti, est mort le 4 décembre dernier dans des circonstances très troubles. Déjà suspectés d'avoir outrepassé leurs droits dans le cadre légal de la garde à vue, les officiers de police doivent faire face à de nouvelles révélations après l'examen des vidéos de surveillance et les résultats de l'autopsie. En effet, l'homme avait été retrouvé sans vie le matin du 4 décembre, nu et attaché avec des serflex et des cordes, la tête dans la cuvette des toilettes, c'est ce que révèle le nouveau rapport, et avec des traces de coups sur tout le corps. Les vidéos montrent clairement un officier de police entrer dans la cellule à de multiples reprises et rouer le gardé à vue de coups de pied au ventre. Un autre montre un autre policier traîner l'homme jusqu'aux toilettes et lui mettre le visage dans la cuvette. Les policiers affirmaient que l'homme avait refusé ses repas, mais à l'examen des vidéos, il apparaît qu'aucun plateau n'a jamais été porté pendant 5 jours, fait attesté par l'autopsie qui a démontré que la victime n'avait rien avalé depuis ces 5 jours et montrait des signes alarmants de déshydratation. Sur la fiche de début de garde à vue, la victime avait précisé qu'elle était diabétique et fournit les médicaments à prendre chaque jour, mais il apparaît également que les officiers de police ne les lui ont pas donnés. Sur les 5 policiers mis en examen et reconnus sur les vidéos comme ayant frappé l'homme de 43 ans, un seul a admis les faits et expliqué qu'il avait été poussé à bout par le gardien à vue qui refusait d'obéir à ses ordres et se rebellait dès qu'il le touchait. Une enquête a été ouverte le 16 décembre par la police préfectorale d'Haïti et devrait établir les responsabilités des uns et des autres dans cette dramatique affaire. Les policiers mis en examen risquent une révocation à vie de la police et une suppression de leur pension. Affaire à suivre. C'est un nouveau drame familial aux origines psychiatriques évitables, comme souvent, qui a encore eu lieu le 29 décembre dernier. En effet, ce jour-là, le service d'urgence de Osaka recevait un appel pour signaler qu'une femme âgée, la mère de l'homme qui appelait, venait de se trouver mal. Arrivés sur place, les secours ont constaté l'état très dégradé de la patiente et l'ont conduite à l'hôpital. Elle décédera quelques minutes après son arrivée et les médecins relèveront de nombreuses traces de coups au niveau de son visage et de son crâne. C'est la police qui prendra la suite et interrogera le fils en question, Takashima Shintaro, 53 ans, sans emploi, sur le déroulé de la matinée fatale. Après quelques heures de garde à vue, l'homme avouera avoir tué sa mère, Mitsuko, 82 ans, à coups de poing après une énième dispute. En creusant un peu le passé de la famille, la police et les services sociaux ont pu retracer l'histoire de ce drame. Le fils, qui souffre de schizophrénie et vivait depuis toujours chez ses parents sans suivre de soins, avait mal vécu la mort de son père qui était le seul à pouvoir le canaliser. Sans emploi et très dépensier, Takashima prenait régulièrement de l'argent dans la réserve de sa mère pour s'acheter cigarettes, alcool et revues pornographiques et dépensait une fortune en VOD pour adultes et camgirls sur le compte de ses parents. Violent avec sa mère depuis des années, son état s'était dégradé, mais la famille n'en avait bien sûr pas parlé autour d'elle et le fils ne faisait plus l'objet d'aucun suivi médical depuis des années. Les voisins ont dit avoir remarqué que quelque chose semblait ne pas aller dans cette famille, mais personne n'a voulu se mêler des affaires des autres. Jugé irresponsable de ses actes, le fils meurtrier a été placé en établissement psychiatrique fermé. Affaire classée. C'est une histoire que j'aurais pu vous conter dans Il était une fois au Japon si elle n'avait pas connu une fin aussi dramatique. Le 25 décembre dernier, la police d'Osaka interpellait Nakajima Shohei, 28 ans, sans emploi et domicilié chez ses parents, pour le vol de sous-vêtements chez une habitante de son quartier qu'il avait reconnue. À son domicile, la police trouvera 14 culottes dérobées par le suspect dans les tiroirs et les paniers de la plaignante. Placé en garde à vue, il a avoué son obsession pour cette voisine, une employée de salon de coiffure de 36 ans qui vit seule avec ses 2 enfants et son envie irrépressible de pénétrer dans son appartement. Remis en liberté, il ne lui faudra que 2 jours pour préparer une action de représailles contre la malheureuse avec qui il pensait, dans son imagination débordante, avoir une relation privilégiée en attendant de l'épouser. C'est dans la nuit du 27 décembre que Nakajima entrera à nouveau par effraction au domicile de la malheureuse et après l'avoir regardée dormir et pris des photos, mettra le feu à un tas de journaux et de linge à l'aide d'essence à briquet. Il prendra la fuite en refermant la porte, mais fort heureusement, l'alarme incendie réveillera la mère qui s'enfuira avec ses 2 enfants. Les 3 ne souffrent d'aucune séquelle, si ce n'est psychologique. Reconnu sur les caméras de vidéoprotection de la résidence, Nakajima a été arrêté quelques heures plus tard et mis en examen pour effraction et tentative de meurtre. Il risque 10 ans de prison. Affaire à suivre. Le 30 décembre, c'est un incident des plus troublants qui a frappé la ville de Nasushiobara, près de Otawara, dans la préfecture de Totigi. Ce matin-là, vers 7h30, une femme aux mains tachées de sang entrait dans un petit poste de police pour s'accuser du meurtre de son fils aîné, quelques heures auparavant. Effectivement, en suivant la femme jusqu'au parking d'un supermarché de la petite ville, ils découvrirent un garçon de 13 ans, la poitrine en sang et écroulé sur le siège passager. La femme leur remit un couteau de cuisine ensanglanté et se constitua prisonnière. L'arrivée rapide des secours confirma le décès du jeune garçon. Selon ses dires, elle aurait réveillé son fils aîné, elle a 3 garçons, vers 5 heures du matin et lui aurait dit de la suivre pour une affaire importante. Là, ils auraient roulé une dizaine de minutes avant de se garer près de ce supermarché, puis la mère aurait frappé son fils de 9 coups de couteau dans la poitrine. Le père et les 2 autres enfants ont été réveillés par la police après les aveux de la mère et sont encore sous le choc de ce geste qu'ils ne comprennent pas. Selon la police, la suspecte tient des propos incohérents et dit seulement qu'il fallait qu'elle le fasse. Pour l'heure, elle a été placée en observation psy et subit une batterie de tests. Le père a expliqué que sa femme était fatiguée et déprimée ces derniers temps, mais n'a jamais remarqué de troubles particuliers ces 15 dernières années. La famille de la suspecte dit la même chose. La police épluche ses réseaux sociaux et son téléphone à la recherche d'indices pour tenter de démêler cette histoire des plus troubles et mystérieuses. Affaire à suivre. Le 25 décembre, en début de matinée, la police préfectorale de Kumamoto venait interpeller Ide Nobuo, 63 ans, attaché préfectoral et membre de la chambre locale, pour avoir menacé un chauffeur de taxi de mort et l'avoir molesté le soir du réveillon, la veille au soir. Le haut fonctionnaire proche du pouvoir n'en est pas à son coup d'essai et ce soir-là avait violemment pris le chauffeur à partie lorsque ce dernier avait tourné à gauche au lieu de tourner à droite comme Ide le lui avait suggéré. Après l'avoir copieusement insulté, il avait donné des coups de pied dans le siège et des gifles au conducteur avant de le sortir par le col et de le menacer de mort. Malheureusement pour lui, la caméra embarquée avait tout filmé et l'élu se retrouve face à ses responsabilités une fois de plus. L'homme de 63 ans avait déjà été inquiété pour avoir fumé dans un espace non-fumeur dans le stade de Koshien, pour avoir giflé une serveuse qui lui avait apporté le mauvais plat et pour avoir molesté un employé de parking qui lui rapportait sa voiture trop lentement. Jusqu'à présent, il a toujours été acquitté grâce à ses relations, mais cette fois, l'opinion publique, fatiguée par les politiques intouchables, demande justice. Affaire à suivre. Le 31 décembre dernier, vers 10h15 du matin, la police préfectorale de Osaka recevait l'appel d'un homme très agité qui disait avoir frappé son père lors d'une violente dispute. Effectivement, lorsque la police et les secours sont arrivés, Kolamo Kanando, 66 ans, gisait sur le sol inconscient et le visage tuméfié. Hospitalisé en urgence, il décédera de ses blessures vers 16h30. Son fils, Kolamoyuki, 30 ans, sans profession, a avoué avoir frappé son père à coups de poing et de pied à de multiples reprises, au point de le tuer. L'homme vivait avec ses parents et son grand frère dans la maison familiale après avoir perdu son travail en 2018 et vivait à leur crochet, réclamant toujours plus pour ses loisirs. Sa mère de 60 ans n'était pas là au moment du drame car partie au travail et son frère prenait un bain car lui aussi sans emploi. Les enquêteurs ont pu récolter de nombreux témoignages des voisins et des parents attestant de la violence de Yuki envers ses parents et son frère et son appartenance à un gang de motards local, non affilié au Yakuza mais qui a l'habitude de déranger le voisinage et de chaparder dans les commerces. L'homme, alcoolique notoire et accro au jeu, assouvissait ses vices avec l'argent de ses parents qui occupaient tous les deux un emploi à mi-temps en plus de leur travail pour pouvoir faire face aux dépenses de leurs 2 fils inactifs, le grand frère étant lui aussi sans emploi depuis 2019. Le mis en examen a expliqué avoir vu rouge lorsque son père lui a reproché sa vie et ses dépenses et a refusé de lui donner de l'argent pour sortir avec ses amis. Malgré l'heure matinale, le suspect avait déjà un taux d'alcoolémie très élevé, mis en examen pour meurtre aggravé. Il risque 20 ans de prison. Affaire à suivre. Le 29 décembre dernier, la police de Asahikawa à Hokkaido arrêtait un homme de 25 ans recherché depuis des semaines pour des affaires d'agression sexuelle sur mineurs. La dernière en date était arrivée le 20 décembre vers 16h dans une rue de la ville alors que l'homme roulait au pas avec sa voiture. Il avait interpellé une collégienne de 14 ans à qui il avait demandé de voir ses sous-vêtements avant de pratiquer des attouchements sur elle. Heureusement, avant que les choses aillent encore plus loin, la jeune fille avait pu prendre la fuite et même noter le numéro de plaque de son agresseur avant d'aller porter plainte. Lors de son arrestation, la police a pu constater que son profil correspondait à celui d'un homme signalé dans une dizaine d'agressions sur mineurs depuis quelques mois. Les victimes de 13 à 16 ans ont été appelées pour un tapissage et ont toutes formellement reconnu leur agresseur. L'homme employé à la voirie avait déjà eu affaire à la justice pour la vente de pédopornographie sur internet et la police a d'ailleurs retrouvé en plus des vidéos de ses agressions, des mangas, DVD et magazines pédo à son domicile. Présenté au procureur, il a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur et risque 3 ans de prison. Affaire à suivre. Le 30 décembre au matin, la police de Hiratsuka dans la préfecture de Kanagawa a arrêté Shintani Yoshiro, 50 ans, pour le double meurtre de ses parents. C'est le signalement d'un voisin et ami inquiet qui avait permis aux autorités de tirer le fil d'une bien sale pelote. Depuis quelque temps, les parents de Shintani, âgés de 74 et 77 ans, s'étaient plaints à la police du comportement violent de leur fils et avaient alerté sur ses fréquentations, mais sans porter plainte. La police locale était allée lui faire la morale et lui donner un avertissement avant de se renseigner sur ses amis de jeu car oui, lui aussi était accro aux jeux d'argent et bien sûr sans emploi, profitant de l'argent de ses parents qui, à leurs âges, travaillaient toujours. Proche d'un petit groupe de la mafia locale qui tenait un tripot clandestin dans le quartier, le quinquagénaire dépensait des fortunes au mahjong et dans les bars à filles, demandant toujours plus d'argent à ses parents, terrifiés que les yakuza puissent débarquer chez eux. Mais les salaires des parents n'étant pas extensibles, Shintani se mettait dans des colères noires lorsqu'il ne pouvait plus lui donner d'argent en août dernier. Il avait gagé la voiture de son père pour payer des dettes de jeu et vendu des bijoux appartenant à sa mère, sûrement pour les mêmes raisons. Désagréable avec le voisinage et les commerçants du quartier, Shintani se comportait comme un véritable caïd, mais dans les faits, était sans le sou, battait ses parents et était criblé de dettes. Selon les premiers résultats de l'enquête, il aurait asphyxié ses parents au dioxyde de carbone avant de les cacher dans un réduit de la maison. D'après la police, la mort remonterait à plus d'une semaine lorsqu'ils ont arrêté le fils. Il semblerait que ce soit l'assurance vie qui ait motivé le geste du fils indigne qui, pour le coup, n'aura plus besoin de rien là où il ira. Mis en examen pour un double meurtre aggravé, il risque 25 ans de prison. Affaire à suivre. Ah, rouvrez les maisons, chantez le phare de l'humanité, l'un de mes humains préférés après l'infâme couperet administratif de la veuve Kiklo. Le fringant quinquagénaire qui vous parle n'a certes pas connu les maisons de tolérance de la belle époque, mais a partagé sa vie une paire d'années avec une ancienne étayère entrepreneuse joyeuse dans l'industrie du stupre. Client et amoureux des putains, j'ai découvert leur monde et exploré leur cœur, leur trouvant souvent plus de vertu qu'aux chaisières. Comme la meilleure des boulangères, madame avait l'amour du travail bien fait, et même si elle ne donnait plus de sa personne qu'à mes entreprises charnelles ou à quelques soirées colorées et humides auxquelles nous convions quelques amis triés sur le volet, elle mettait un point d'honneur à ce que les ressources humaines soient à la hauteur. J'eus l'honneur de ne jamais lui demander sa main et de rester son éternel amant car, comme le disait Gauthier, Théophile de son prénom, une femme qui a un mari et un amant est une prostituée pour l'un des deux et souvent pour les deux, alors je la libérai d'une telle charge et la délivrai de l'infamie. Si la mère Richard a cloué nos bobinards, il n'en est rien pour le Japon, pays qui, je vous le répète assez, sait se tenir et où l'on peut encore trouver des établissements sérieux et convenables et ce, oserais-je le dire, pour toutes les bourses. Ils sont un élément récurrent de mes histoires criminelles et vous les connaissez de nom si vous me lisez ou m'écoutez parfois, les snacks. Ces établissements de nuit qui font souvent fantasmer ceux qui n'y ont jamais mis les pieds et qui ne sont souvent que des bars à hôtesses où les belles de nuit, parfois un peu flétries, transforment le liège en papier-monnaie en préservant leur vertu à coups de mauvais whisky. C'est dans l'un de ces établissements que nous mène notre héros du jour. Mishita Dyung, 44 ans, chauffeur de taxi à Tokyo, mari aimant et père exemplaire, est aussi un grand amateur de femmes et bien que l'anneau d'argent qu'il porte à son annulaire gauche soit censé le garder au foyer, nous dirons qu'il lui arrive d'aller voir ailleurs s'il y est. Et cet ailleurs, il faut bien l'avouer, ressemble souvent à un bordel, car oui, pour contredire ce que je viens de vous raconter, certains snacks vous permettent parfois de vous allonger avec le personnel moyennant un petit supplément. Et c'est bien ce petit supplément qui commençait à poser problème à notre honnête artisan. Véhiculer son prochain peut certes être une source d'enrichissement, mais il faut bien admettre que la fonction limite l'accès à la fortune et vous prive souvent des bonheurs de ce monde. Alors notre bon Mishita, en père et mari exemplaire, limitait ses exigences et se rabattait sur des établissements de moindre qualité, limitant les frais. Mais le lupanard discount fait l'effet des cigarettes light et notre chauffeur libidineux voulut se taper tout le paquet. Vint un moment où, à court de liquidité, il dut se rabattre sur sa femme, non, pas comme vous le pensez, et lui demander de taper dans le plan d'épargne retraite pour, disait-il, faire face à une dépense imprévue. La brave femme retira de l'argent pour son mari, craignant qu'il ne se soit mis dans de sales affaires et le soir, lorsque les deux enfants dormaient, faisait les comptes et marquait les dépenses épicières dans des colonnes, reléguant les extras de son époux dans celles des investissements qu'elle épouse modèle. Bien vite, les dépenses imprévues se multiplièrent et le plan d'épargne se retrouva aussi vide que les baloches de Mishita. Mais curieusement, alors qu'il tentait, en vain le pensait-il, de quémander une avance à madame, celle-ci lui allongea les talbins sur le bulgum et lui tapota la poigne comme un vieux copain de régiment. « Diantre, se dit le lubrique, ma merveilleuse épouse a dû économiser chaque sou sur les commissions et les mettre de côté pour se payer un beau tablier ou une boîte à ouvrage. Quelle dévotion !» Et c'est la larme à l'œil pour tant d'abnégation qu'il alla lustrer d'autres fessiers loin des horizons molletonnés du bonheur conjugal. Le samedi d'après, sa bourgeoise lui donna le paquet d'images sans même qu'il eût à le demander, le gratifiant même d'un héroïque « Va t'amuser, chérie ». Et il en fut de même les semaines et les mois suivants. Gageant qu'elle n'avait pas pu mettre autant de côté avec la monnaie des courses, il lui demanda d'où venait cet argent et elle lui répondit avec le plus grand calme qu'elle avait pris un petit travail à mi-temps comme caissière de nuit pour mettre du beurre là où vous voudrez. Dès lors, Mishita lui proposa des dizaines de fois de l'accompagner au travail lorsqu'il prenait son service tardif, mais la courageuse épouse déclinait toujours, préférant la marche pour s'oxygéner un peu. Un soir pourtant, piqué par une curiosité légitime et l'envie de surprendre madame, il la suivit, toutes lumières éteintes, sur le chemin du labeur. Louvoyant dans les ruelles étroites du Tokyo périphérique, il finit par la voir pousser une porte de service dans une ruelle pleine des vapeurs des restaurants de nuit. Il gara son taxi et, allumant une cigarette, marcha jusqu'à la rue où se dressaient les façades de ces établissements variés. Un dépanneur, un snack, un bar, une supérette en train de fermer et un café à la décoration vintage constituaient l'alignement correspondant aux portes arrière qu'il avait pu voir. Sur la devanture du snack et celle du bar, qui arborait le même code couleur et devait donc appartenir à la même personne, il était écrit sur un panneau fluorescent « Nouvelle fille ». Mishita regarda dans son portefeuille, il avait assez pour s'en payer une bonne tranche avant d'aller voir sa moitié. Alors se recoiffant d'une main, il prit les marches qui le mèneraient vers son petit bonheur d'un soir et ouvrit la porte. Une belle femme d'une quarantaine d'années moulée dans une robe fourreau l'accueillit avec un grand sourire. Mishita se figea et laissa tomber sa sacoche, puis il marmonna en tremblotant « Chérie ?» Voilà, j'espère que cette nouvelle façon de raconter les faits divers qui m'ont amusé vous aura plu, et je me garderai bien de vous proposer une morale à tout cela tant cette histoire me semble l'essence même de la morale. Alors levons nos verres et buvons à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent, comme disait l'autre. Hein? Quoi chérie, tu sors faire des courses? Oui mais fais attention en traversant, hein ouais. Voilà, cette 69e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez m'envoyer une vidéo de présentation pour votre chaîne si vous souhaitez passer dans la rubrique coup de pouce, et rassurez-vous, tout cela est totalement sans arrière-pensée, si ce n'est celle de vous aider un peu. Avant de vous faire de la retape pour ma boutique, je voulais vous informer un peu de mon état de santé. J'avais tourné un blog que je ne diffuserai pas après l'avoir revu car je le trouve trop larmoyant. Beuh. Alors je me contenterai de vous dire que ça ne va pas très fort, que j'ai beaucoup de mal à me déplacer entre béquilles et même certains jours fauteuil roulant à cause d'une polyarthrite rhumatoïde qui me pourrit la vie. Je suis allé voir un spécialiste à Tokyo et suis actuellement en traitement qui me soulage et me permet d'espérer du mieux au niveau des douleurs, mais... voilà aussi pourquoi je ne tourne plus de vlog en extérieur, je suis vraiment désolé. Comme je vous en avais parlé dans un live il y a quelque temps, je souffre aussi d'un problème neurologique de naissance qui, lui aussi, me pourrit bien la vie et a choisi de me gonfler au même moment. Voilà. Mais oui, j'ai tout ça, rançon de mes Freuden, la barque pour 6 terres est mise en quarantaine, mais je n'ai pas encore, non, 3 fois non, envie de baisser les bras. Alors un grand merci à vous pour vos messages et promis, je me remets le plus vite possible. Allez-y. Je vous rappelle que vous devez impérativement vous abonner car même si le ratio augmente, vous êtes toujours presque la moitié à regarder mes contenus sans lettres. Alors ne soyez pas timide, tripotez donc ce bouton abonnement et faites tintinabuler la cloche. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez me laisser un pourboire mensuel ou épisodique sur Tipeee ou Utip et un grand merci à ceux qui le font déjà. C'est en partie grâce à vous que la chaîne survit. Vous pouvez aussi me laisser un Super Thanks, le petit cœur avec $1 sous la vidéo, rejoindre l'unité Satsujin pour voir les vidéos en avant-première et bénéficier de contenus exclusifs ou aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le dernier vient d'ailleurs de sortir, des t-shirts originaux et sérigraphiés en série limitée et des prints numérotés et signés. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y suis assez présent et y poste souvent des images de mes coussins brodés, une merveille. Allez, je vous laisse, moi aussi je vais aller faire des courses et je vais chercher mon char, tiens. Combien tu veux? 20 sesterces dans le char et 25 dans les catacombes. Ah putain. Pardon? Non, je veux dire, c'est pas donné, hein. Bah c'est pas donné, mais c'est bien vendu. Matane.